Donc je suis Fabien Pasquet, responsable du pôle hydrologie prévision des crues. Donc je précise bien pôle hydrologie prévision des crues et non pas seulement service de prévision des crues, puisque la DRU Île-de-France a également la charge de l'hydrométrie sur la région Île-de-France et un peu au-delà. J'y reviendrai. Donc je vais vous reparler donc de l'épisode de mai-juin dernier, donc avec pour objectif effectivement de vous représenter l'épisode hydrométéorologique en tant que tel. Vous parlez des missions de la DRU de manière générale, donc à la fois côté hydrométrie et prévision des crues, et du coup ce qui a été fait pendant l'événement, donc sur ces volets-là, et ce qu'on en a tiré comme enseignement et comme plan d'action pour la suite et pour améliorer donc effectivement nos travaux. Pour commencer, une petite présentation de une visualisation de l'épisode météorologique qui s'est déroulé. Alors vous avez ici une image radar de précipitation de Météo France qui indique les cumuls observés entre le 28 mai et le 3 juin 2016, donc sur l'ensemble de l'épisode. Vous avez ici la ville de Paris, donc plutôt sur le haut à gauche. Vous avez le bassin du Loing qui est ici, voilà, avec Montargis là. Lyon, le cours d'eau Lyon qui est là jusqu'à Auxerre. Et la Seine-Amont ici, la Marne ici. Tout ça pour dire en fait que du bleu vers le rouge, les cumuls de pluie sont de plus en plus importants, et pour montrer que quand même la grande partie de l'épisode pluvieux s'est déroulée sur le bassin du Loing dans son ensemble, sur les affluents de la Seine moyenne ici sur l'Essonne, l'Orge et sur le bassin de Lierre, et un peu sur l'aval des bassins de Lyon et du coup de la Seine légèrement à l'amont de la confluence avec Lyon. Donc c'est un épisode qui n'a pas concerné l'ensemble du bassin et surtout pas l'ensemble, la partie amont du bassin de Lyon, ni la Marne ou la Seine à l'amont. Au-delà de cette présentation un peu qualitative de l'événement, quelques éléments quantitatifs. Pour vous dire que, comme indiqué ici, on a eu des périodes de retour sur les pluies qui ont en moyenne correspondu à des périodes de retour de 10 à 50 ans, donc une chance sur 10 ou une chance sur 5, entre une chance sur 10 et une chance sur 50 chaque année de se reproduire, et localement des périodes de retour qui dépassaient 100 ans. En termes de chiffres, pour avoir une idée, quand on dit que c'est 2 à 3 fois supérieur au normal sur le territoire du SPC Seine Moyenne Lyon-Loing, c'est environ 150 mm sur le bassin de Loine, donc dans le département du Loiret, une centaine sur Nemours, en Seine-et-Marne, et sur Paris également 90 mm. Voilà un petit peu pour illustrer les quantités tombées. On voit que la majeure partie de l'événement s'est donc déroulée entre le 28 mai et le 31 mai, avec donc un gros cumul de pluie le 30, une fois que l'événement avait déjà commencé, puisqu'on le reverra tout à l'heure. Hein, les débuts des vigilances sur la partie amont du bassin du Loing ont commencé le 28. En termes de conséquences hydrologiques, donc la crue observée, ben déjà le premier élément, c'est que c'est une crue qui est tardive pour la saison, puisqu'elle se déroule au mois de juin, habituellement c'est quand même beaucoup plus tôt. Déjà, on s'y attend moins, et accessoirement ça peut avoir une influence sur la mesure des débits, ben, on y reviendra peut-être tout à l'heure, avec éventuellement une perturbation des mesures. Un petit peu comme je l'ai introduit jusqu'à présent, les principaux contributeurs de l'événement, en fait, de la crue à Paris, c'est bien le bassin du Loing et des affluents intermédiaires de la Seine moyenne. Donc c'est quand même une crue plutôt du Loing initialement qui s'est propagée sur Paris. On parle souvent d'une crue qui est arrivée rapidement, avec voilà, un délai d'arrivée du maximum plus court que ce qu'on attend. Ce qu'il faut voir, et j'y reviendrai sur la diapo d'après, c'est que c'est surtout l'onde de crue qui s'est formée sur le bassin du Loing qui est arrivée uniquement, puisque c'est la crue du Loing, et donc qui est arrivée dans des délais normaux pour la crue du Loing, mais qui du coup sont plus courts que les délais attendus sur une crue généralisée. C'est quelque chose qu'on voit sur ces deux graphiques, sur le premier surtout, où vous avez, alors en bleu ici, vous avez qui monte jusqu'à plus de 8,50 m, la crue de 1910. Vous avez en vert la crue 1924, celle de 1955 en orange, et la crue de 2016 qui est ici en Bordeaux.
On constate que la crue de 2016, finalement, est similaire à celle de 1910, sauf que, bien entendu, elle s'arrête au-dessus de 6 mètres, juste au-dessus de 6 mètres, alors que celle de 1910 continue. Donc on voit bien que la vitesse de montée, finalement, de la crue de 2016 n'est pas plus rapide que celle de 1910. Bon, elle est effectivement plus rapide que les crues de 1924 ou 1955, il faut le reconnaître. Ceci dit, donc, c'est bien le passage de la crue du Loing à Paris qui est passé dans les temps attendus, mais qui fait que la crue ne s'est pas poursuivie et qui fait que le maximum a été atteint plus rapidement. Le graphique en bas à droite vous présente une comparaison avec la crue 1982, qui est une crue tout à fait comparable, puisqu'on a atteint globalement la même hauteur à la station de Paris-Austerlitz, où on voit que là, en revanche, la crue 2016, effectivement, montait bien plus vite, mais surtout bien plus courte. Globalement, on est au-dessus de 4 mètres sur une grosse semaine pour la crue de 2016, alors qu'on y est sur presque 6 semaines, plus de 5 semaines pour la crue de 1982. Donc une situation quand même bien différente, et a priori plus favorable en 2016. Voilà. Donc, quelques diapositives. Maintenant, je vous rappelle un petit peu le travail de la DRIU Île-de-France pour un petit peu bien situer, et du coup, ce qui a été fait pendant l'événement. Donc, la DRIU Île-de-France est chargée de l'hydrométrie sur l'Île-de-France et un petit peu au-delà, donc la mesure des débits et un petit peu des pluies, dans l'objectif de produire des prévisions des crues, de la vigilance et des prévisions des crues sur le territoire ici présenté en rouge, donc le territoire Seine-Moyenne-Yonne-Loing. Cette prévision des crues en fait se traduit par l'établissement de vigilance sur une douzaine de tronçons qui sont présentés donc en couleur. Donc ces tronçons sont sur les cours d'eau principaux du bassin, et d'établir sur une trentaine de stations de référence des prévisions chiffrées autant que possible. Comme vous le voyez, hein, à nouveau, le Paris étant ici, le territoire du SPC s'étend aussi largement à l'amont de la région parisienne, donc entre autres sur le bassin du Loing ici, donc dans le département du Loiret en particulier, de la Seine-et-Marne et du Loiret, et sur le bassin de Lyon ici, sur cette partie-là. Je parlais du réseau hydrométrique. Pour un ordre de grandeur, on a plus d'une centaine de stations qui servent à l'établissement de la prévision, dont plus de 80 qui sont gérées par la DRIU Île-de-France. Alors, en termes justement d'hydrométrie, sur ces 80 stations gérées par la DRIU Île-de-France, un gros travail a été fait par les équipes d'hydrométrie, de jaugeage, de mesure des débits sur une grosse trentaine de stations. Alors pourquoi une trentaine de stations? Alors déjà, l'ensemble du territoire n'a pas été concerné par l'épisode de crue de manière la crue la plus importante. Et l'idée a été de sécuriser, de valider autant que possible les mesures pour être certain de ce qu'on avait pris et du coup d'avoir des données réellement utilisables par la suite sur une quantité limitée de stations et pas de se disperser sur l'ensemble des stations avec des données dont on n'était pas certain. Sur le réseau de mesures, effectivement, plusieurs stations ont présenté des dysfonctionnements assez importants qui sont souvent liés quand même à des problèmes de communication, avec une coupure de la communication téléphone en particulier, qui fait que les données ne peuvent pas être récupérées au sein du service de prévision des crues. L'ampleur de l'événement a fait que les capteurs ont parfois été submergés. Il faut se rendre compte que sur certains secteurs, les ponts sur lesquels étaient présents les capteurs se retrouvaient noyés quand même. Ou la mesure perturbée par des embâcles qui sont malheureusement inévitables lors de ce genre d'événement. Et également des problèmes d'alimentation électrique. Donc on voit bien quand même qu'il y a l'ampleur de l'événement, donc comme on l'a vu, hein, une crue plus que centenale sur le bassin du Loing, fait que... Voilà, le système de mesure a eu quelques problèmes de fonctionnement. Et une grande partie du travail des équipes d'hydrométrie, au-delà des mesures réalisées sur les stations, a consisté à essayer de résoudre ces problèmes dans la mesure du possible et dans des conditions de sécurité raisonnables. Voilà, des stations ont été remplacées, des communications ont été remplacées au cours d'événements par des communications par GSM par exemple. On a cherché à refaire fonctionner les capteurs perturbés par les embâcles, etc. Donc voilà, une grande partie du travail a été également d'intervenir sur ce réseau de mesure, puisqu'en fait de la qualité de la mesure dépend le travail de prévision. Concernant le travail du service de prévision des crues à proprement parler, donc un des premiers
travaux, c'est l'établissement des vigilances. Donc c'est une prévision qualitative de l'ampleur de l'événement qui va arriver sur les différents tronçons. Vous avez ici une vue synthétique des différentes vigilances qui ont été validées sur le territoire du SPC, donc la douzaine de tronçons donc, sur l'ensemble du tableau et sur près de 15 jours de travail. On constate que les premières vigilances ont été établies le dimanche 29 mai ici sur le bassin de Lyon, donc sur le Serein, et également sur le bassin du Loing ici, sur la partie Loing-Amont-Ouanne. Avec donc des vigilances rouges sur le secteur Loing-Amont et Loing-Aval, donc le secteur de Montargis et de Nemours, pour situer un peu mieux, entre le mercredi et le jeudi. Le maximum de la crue à Paris étant le samedi matin. Donc ici, la vigilance orange présentée ici. Donc on voit ici, hein, de la même manière qu'on avait vu tout à l'heure sur la présentation de la carte radar, que les précipitations ont beaucoup concerné le bassin du Loing et moins le reste et le bassin de la Seine moyenne et moins le reste du bassin. On constate, hein, que sur les crues qui ont été générées, c'est effectivement encore le bassin du Loing et la Seine moyenne qui ont été les plus impactés, donc du rouge ici sur le Loing et du orange ici sur la Seine moyenne. Avec une période de retour sur Paris de la crue qui est presque vingtennale. Alors qu'on est sur des crues centennales sur la partie Loing et certains affluents. En termes, le deuxième travail, au-delà de ce travail de vigilance et de prévision qualitative, donc c'est un travail de prévision quantitative, qui a pu être perturbé lors de cet événement, par les caractéristiques de cet événement, effectivement, avec donc des pluies qui se sont étalées sur plusieurs jours. Une fois que les crues ont commencé à se produire, les pluies ont continué et se sont même renforcées. On a vu tout à l'heure que c'était sur le troisième jour de pluie que les maxima de pluie avaient été observés. Voilà, des niveaux déjà assez forts initialement qui ont été réalimentés derrière par de nouvelles pluies. Une problématique d'indisponibilité des données, hein, comme on l'a vu avec des problématiques de collecte de ces données à cause de problèmes de transmission et de fonctionnement et d'alimentation électrique des stations. Le caractère exceptionnel de l'événement fait qu'on est sorti aussi de la gamme de nos outils. Il faut bien voir que les outils de prévision et d'hydrométrie fonctionnent très bien dans la gamme des épisodes connus. À partir du moment où on arrive dans le domaine de l'inconnu, on commence à être bien plus incertain. Donc cet événement n'y fait pas exception, hein, puisqu'on a vu qu'on a dépassé les records sur plusieurs capteurs du bassin du Loing, par exemple. Et de fait, l'incertitude sur les données observées fait que le travail de prévision a bien entendu été entaché de une certaine incertitude. Il a été nécessaire donc de travailler sur la mesure. On l'a vu tout à l'heure, les équipes d'hydrométrie ont fait beaucoup de travail de terrain pour établir des mesures et pour dépanner les appareils. Et donc les prévisions, entre autres sur la partie aval du bassin, ont été revues au fur et à mesure de la semaine pour intégrer ces données-là et être le plus précise possible. Cet événement, donc on a vu, a posé quand même quelques soucis. On est conscient des problèmes qui ont été relevés. Donc il y a tout un programme de travail qui a été établi, à la fois ce côté hydrométrie et prévision des crues. Donc sur l'hydrométrie, c'est bien entendu la prise en compte des niveaux atteints par cet épisode, qui sont quand même, je le répète, assez exceptionnels. Donc avec une sécurisation en tant que possible, déjà une rehausse des matériels, une sécurisation des transmissions autant que possible, avec l'usage de puces GSM par exemple, un doublement de certains capteurs, une modernisation des appareils également. Tout ça, les matériels évoluent et donc là, l'idée c'est d'améliorer ces matériels-là pour se mettre au dernier goût du jour. Améliorer les courbes de tarage, sans rentrer dans le détail, c'est en gros la correspondance hauteur-débit aux différentes stations. On a vu tout à l'heure qu'on était au-delà de ce qu'on connaissait, donc l'idée c'est de prendre en compte les dernières mesures pour faire des courbes de tarage, produire des courbes de tarage qui aussi bonnes que possible sur les hauts débits. Concernant le travail du SPC, donc à proprement parler, le travail de prévision des crues, les débits observés vont être repris et reroutés dans les différents outils pour vérifier le fonctionnement de ces outils et adapter ce fonctionnement, corriger les problèmes qui ont pu être rencontrés. Ça, c'est un travail qui se fait sur
l'ensemble des outils de prévision des crues, c'est la remise au goût du jour systématique à chaque épisode de crue important, un recalage de ces outils. Là, c'est le travail normal à effectuer après une crue, et en plus une crue aussi exceptionnelle sur la partie amont. Le modèle hydraulique Cassandre, qui est le modèle de prévision des crues, a été déjà en cours de remise à jour. On va intégrer donc cet événement dans la remise à jour. Il y a un gros travail qui va apparaître là, sur les incertitudes. C'est quelque chose qui émerge là, qui va émerger rapidement, globalement à l'échelle nationale, mais en particulier pour le SPC Seine-Moyenne-Lyon-Loing. Donc les incertitudes sur la mesure d'une part, et donc sur les prévisions d'autre part. On va travailler sur un mode secours nos outils, pour être certain de pouvoir produire des prévisions dans tous les cas de figure. Et également un gros travail d'exploitation des différentes mesures de terrain qui ont pu être effectuées, et ainsi que des prises de vue aériennes qui ont été réalisées. Au-delà de ça, on va poursuivre, on le signale ici, puisqu'en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de choses de nouvelles ici dans cette diapo, mais c'est des choses qu'on va poursuivre, qui étaient déjà existantes et qu'on va poursuivre. Donc c'est la poursuite du travail avec nos différents partenaires. Donc à la fois côté formation, donc l'intégration de cet épisode-là dans nos modules de formation. Je le disais, travailler sur l'incertitude, la communication des incertitudes, entre autres, on espère à travers le site Vigicru pouvoir afficher des prévisions associées à leurs incertitudes courant 2017. Donc à l'échelle nationale, ce n'est pas uniquement le SPC qui travaille là-dessus. Travailler avec nos partenaires des préfectures et des directions départementales pour des territoires pour la prise en compte de cet épisode-là et en tirer les enseignements nécessaires. La poursuite de l'accompagnement des collectivités, on est bien conscient que le travail du SPC est d'abord principalement sur les tronçons surveillés, qu'il y a beaucoup de petits affluents qui ont été en crue, hein, c'est d'ailleurs la caractéristique de cet épisode-là. Petits affluents qui ne sont pas toujours surveillés. On nous interroge souvent sur les moyens d'être alertés sur ces secteurs-là. Il faut savoir que le SPC et l'hydrométrie de la Drieux peuvent apporter leur appui, leur conseil au développement de systèmes d'alerte locaux, donc déploiement d'un réseau de mesures et de systèmes d'alerte derrière, le cas échéant. Alors c'est un conseil uniquement. Et accessoirement, peut-être de manière plus immédiate, la mise en œuvre d'un système Vigicru Flash, qui est un système d'alerte basé sur les précipitations observées par Météo France et leur transformation en débit, donc auquel les collectivités peuvent s'abonner. C'est actuellement en cours d'expérimentation. Il n'y a pas sur le territoire, aucune collectivité s'est déclarée intéressée, je crois, sur le territoire du SPC, mais courant 2017, ça sera ouvert à toutes les collectivités, il n'y aura aucun problème, c'est un service gratuit qui, on l'espère, apportera satisfaction. Voilà pour la présentation donc, de la DRUIL de France. Oui, Claude Juvenant, président de la CLEUR Givet, je suis aussi directeur d'un syndicat d'assainissement. Moi, je voulais savoir, dans vos prévisions de modélisation par rapport à vos capteurs, est-ce que vous allez multiplier le nombre de capteurs sur un même point? Comment vous allez vous y prendre? Parce qu'en assainissement, on a tous des redondances de 2 ou 3 capteurs par système, et puis des informations multidirectionnelles avec des lignes RTC ou autres. Donc, sur vos futures implantations et sur les implantations qui ont été défaillantes, comment vous allez vous y prendre? Oui, effectivement, il y a tout un programme de doublement de capteurs pour les capteurs qui ne sont pas doublés. Beaucoup l'étaient déjà. Effectivement, sur les communications, l'idée, effectivement, si on double les capteurs, c'est bien, mais s'il y a un seul mode de communication, du coup, c'est pas satisfaisant. Donc là, il y a un travail justement de renforcement de sécurisation avec à la fois une ligne RTC, une communication filaire d'une part et une communication GSM d'autre part. Là, effectivement, des puces GSM vont être implantées. Ça a été fait pendant l'événement sur les capteurs qui étaient accessibles et qui ne fonctionnaient plus de fait de la communication, mais ça va être généralisé autant que possible. En termes de sites de mesure de nouvelles implantations, on n'en prévoit pas. Les stations actuelles, a priori,
Bien sûr, s'il y a un gros manque, on devrait l'avoir l'identifié, mais on comblera. Mais là, la question, c'est plutôt de la sécurisation, doublement des capteurs et sécurisation de la communication en alliant RTC et filaire. GSM et filaire, pardon. Sachant que le déploiement des nouvelles centrales d'acquisition permettront une communication IP, donc Internet à l'avenir, donc normalement meilleur également. Bonjour, David Bouéré, conseil départemental du 93. Je voulais savoir quel est le délai moyen que vous avez constaté pour mettre en évidence vos dysfonctionnements. Notre service d'assainissement, par exemple, se posait des questions déjà depuis un petit moment en disant c'est pas cohérent avec les modélisations, il doit y avoir un problème quelque part. Pour Austerlitz. Hein. Donc, on commençait à se demander avec les stations anticrues comment ça se fait. Est-ce que nos modélisations ou les modélisations qui étaient proposées étaient fausses parce que ça ne correspondait pas à les cohérences entre les éléments ? La question est vraiment sur Paris-Austerlitz pour le coup. La question est sur Paris-Austerlitz ou globalement ? Moi, je connais que notre référence pour la Seine, c'est Paris-Austerlitz pour la Seine-Seine. Effectivement, alors, le cas de Paris-Austerlitz, on se doutait que pour le coup, ça viendrait. Je vous remercie de la question. Effectivement, il y a eu une déconnexion en cours de montée, un problème de capteur. On s'en est rendu compte certainement un peu tardivement, le jeudi soir de mémoire. Donc le temps de résoudre le problème, la mesure correcte a été rétablie le vendredi en fin de matinée. Globalement, à quelques heures près, ça doit être ça. Alors, ce qui s'est passé, il faut savoir que le capteur d'Austerlitz, la station d'Austerlitz, c'était a priori sécurisé autant que possible dans la mesure où il y avait trois capteurs. Donc voilà, habituellement c'est deux, là on en avait trois. Le souci c'est que ces capteurs là étaient dans l'ancien, étaient dans un puits qui était relié à la Seine à travers une galerie, et cette galerie s'est retrouvée envasée au cours de l'événement, chose qui n'avait pas été observée lors de la crue de 1982. On a mis peut-être un peu trop de temps à se rendre compte, Donc c'est ce qu'on observe ici sur ce graphique-là. On voit ici une cassure dans la montée et une poursuite de la... ici, vous avez en pointillé le tracé qui aurait dû être suivi par le capteur. Donc en fait, le problème a été résolu le lendemain matin avec la pose d'une station provisoire, donc un nouveau capteur qui a été déployé rapidement. Au-delà de ce capteur provisoire, le problème a priori été résolu dorénavant, puisque la galerie a d'une part été dévasée, et d'autre part, deux autres capteurs ont été posés directement en Seine, le long du quai, pour ne pas avoir ce problème-là. Et il est prévu l'année prochaine, ce qui n'a pas encore été fait pour des questions de travaux de génie civil un peu lourds, sera posé sur le pont d'Austerlitz un capteur radar, donc une autre technologie de capteur, ainsi qu'une caméra qui permettra d'avoir une vision directe sur l'échelle. Donc là, globalement, entre 12 et 18 heures de trous dans la mesure sur Paris-Austerlitz, sachant que aussitôt que le problème a été identifié, je crois que le vendredi matin, l'équipe a été déployée pour poser la station provisoire. Marc Chesinski, ville de Boulogne-Billancourt. J'aimerais, dans un premier temps, que vous nous expliquiez cette courbe, à quoi elle correspond. Je souhaiterais que vous nous expliquiez l'interprétation de cette courbe. Deuxièmement, je voudrais savoir si vous avez, pourriez nous communiquer des données sur les débits. Quels ont été les débits ? Et la troisième question, c'est également parce que dans les réunions que nous avons faites, dans les ateliers du PAPI, on a beaucoup parlé des remontées de nappes. Et c'est des données, savoir si vous avez des informations sur la remontée de nappes. Voilà. Et évidemment, c'est l'écart entre la prévision et la réalité qui est intéressant là. Voilà. Oui, effectivement, pardon, je présentais le graphique de manière un peu abrupte. C'est juste. Ce graphique est le limnigramme en fait, de la crue observée en noir, donc l'évolution de la hauteur à l'échelle de Paris-Austerlitz en fonction du temps. Donc vous avez en ordonnée la cote et en abscisse la date. Les différents tracés de couleurs en fait, correspondent aux différentes prévisions qui ont été établies au cours de l'événement. Donc avec en début d'événement des choses des prévisions, donc ici le 31 sur le coup de midi et une prévision pour le
4 à midi, donc autour de 4,25 m, donc clairement inférieur au maximum observé, donc sachant qu'on est quand même très en amont de l'événement, et donc là c'est des difficultés donc de prévision puisque l'ensemble de la crue n'est pas encore formée. Donc vous avez l'évolution des différentes prévisions, on voit qu'elles sont revues au fur et à mesure à la hausse, et vous avez autour du point ici par exemple le point vert, donc une fourchette qui indique les incertitudes sur la prévision. Donc au fur et à mesure, comme je l'expliquais, donc les prévisions ont été revues à la hausse, et on constate entre autres qu'on a deux prévisions qui ont été établies ici, qui ont été établies sur la base d'une mesure erronée. Ces points-là correspondent à la date de la mesure de la prévision et à l'échéance de la prévision. Donc ces mesures forcément la prévision a été un peu gênée par rapport à l'erreur de mesure. Et derrière, des prévisions qui ont été un peu excessives au moment où la mesure a été rétablie, puisque les prévisions sont entre un peu inférieures à 6,50 m, autour de 6,30 m. Voilà, concernant les débits, donc, autour à période stérilisée, sont environ 1800 m3 de mémoire. Pour le coup, sur les références, arrivant depuis peu à Paris sur la scène, donc 200 m3 à Paris Austerlitz en débit normal. Merci. Voilà, donc une crue d'occurrence 29 à peu près. Et la troisième question portait sur les remontées de nappes. Le SPC ne s'occupe pas de remontées de nappes, en fait. Les appareils de mesure de l'hydrométrie ne concernent que l'hydrologie de surface. Voilà, je crois savoir qu'à travers le PAPI, il y a des travaux qui sont prévus sur la cartographie sur la remontée de nappe, mais sans plus de détails jusque-là, je pense que je laisserai les gens de l'EPTB. Mais en tout cas, le SPC ne travaille clairement pas sur la remontée de nappe. C'est effectivement une limite éventuelle des cartographies. Voilà. Mais nous, ce n'est pas le travail du SPC pour le coup. Oui, bonjour. Moi, je suis Monique Sellerier. Je suis la directrice du CCAS de la ville de Melun. Moi, ma question, donc, vous parlez de la Seine, du Loing. Nous, à Melun, on a été impactés, avant la crue de la Seine, par un affluent qui s'appelle l'Almont, hein, et sur lequel il n'y a aucun dispositif de vigilance. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, ou est-ce qu'on sera toujours dans l'inconnu par rapport à ça, puisque c'était la veille de la crue de la Seine, hein. Oui, sur l'Almont, effectivement, il n'y a pas de tronçon de vigilance. C'est un petit peu ce que je vous entendais tout à l'heure. Je pensais à l'Almont en particulier. En revanche, il y a des stations de mesure dont je ne me souviens pas le nom exactement. Mais il y a une station, en tout cas, qui existe. Donc c'est un élément pour avoir un suivi de l'événement. Donc cette station est en amont de Melun. Donc c'est un élément pour avoir un suivi de l'événement pendant cet événement-là, d'une part. Tout à l'heure, je parlais du système d'alerte Vigicru Flash. C'est typiquement le genre de situation qui pourrait correspondre à vos besoins sur l'Almont, en fait. Donc, je répète un petit peu, pour détailler un petit peu le principe, c'est une mesure effectuée par Météo France à partir d'un radar météorologique, donc des pluies tombées. Ces pluies-là sont transformées en débit à travers des modèles simplifiés, et ces débits, avec ces débits, sont définis des niveaux d'alerte à partir desquels les utilisateurs peuvent être informés. Typiquement, ce système-là, pour l'Almont, conviendrait bien, pourrait correspondre. Donc ça, c'est un système, comme j'expliquais, qui est actuellement en cours d'expérimentation jusqu'à la fin 2016. Là. C'est un système national, ce n'est pas un système du SPC S1000 uniquement, et qui sera déployé courant 2017. Ça veut dire qu'il faut faire une demande précise, ou comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça, a priori se rapprocher de la DDT pour être abonné à ce système. D'accord, merci. C'est dommage que ce soit prêt. Voilà. Oui. Mais c'est ça l'objectif, j'ai bien compris. Tout à fait. Jusqu'à présent, existait le système API qui n'était pas totalement adapté, certainement sur nos territoires, mais qui était globalement à peu près la même chose, qui là faisait une alerte uniquement sur les précipitations observées et ne transformait pas en débit. Donc c'était la première étape, donc c'était un système Météo France. Donc là, l'étape suivante, c'est le passage au débit. Donc effectivement, ça arrive trop tard par rapport à cet événement. Mais...
Vous avez parlé de Vigicru avec une future présentation avec l'espace d'incertitude. Comment prendre en compte dans cet espace d'incertitude le fait que certaines politiques publiques sont calées sur des cotes et que si jamais la crue a une incertitude trop grande, eh bien on va dépasser cette cote et mettre en branle toute une réaction. Effectivement, il y a un sujet pour les gestionnaires de crise de la prise en compte de ces incertitudes-là. On estime, côté président des crues, que c'est une information intéressante pour nos utilisateurs, nos usagers, puisque voilà, jusqu'à présent, on avait une valeur avec... laisser sous-entendre qu'on était parfait sur notre prévision, ce qui n'était clairement pas le cas. Donc là, on donne plus d'informations. Il y a tout un travail qui sera fait de quantification aussi scientifique que possible de cette incertitude d'une part et de réduction de cette incertitude d'autre part. Après, c'est aussi tout un travail de formation et de sensibilisation, nous d'une part à travers nos formations, à l'usage de ces incertitudes-là. Et du coup après, qui va se décliner auprès des différents gestionnaires de crise. Malheureusement, moi j'ai pas vraiment de réponse à vous apporter sur comment prendre en charge cette incertitude en n'étant pas gestionnaire de crise en tant que tel ou gestionnaire de réseau. Voilà, sachez qu'on essaye de la quantifier aussi précisément que possible et de la réduire, mais au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer lors d'un événement exceptionnel, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours des incertitudes. Et donc là, la communiquer, c'est quand même aussi faire preuve de transparence et montrer qu'on ne peut pas réduire cette incertitude à zéro.